Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le skin event de Pâques. Comment vous dire que je suis pas prêt pour ça. Un skin Interetta, les skins sont juste magnifiques, sont hilarants, comme dit Papy, ils sont drôles. Donc, principalement, là, on est sur l'état, le skin event est déjà disponible des états. Là, je suis sur l'état, si je dis pas de bêtises. 560. Il est disponible sur 2-3 états aux alentours. Là, 540 à 564, un truc comme ça. C'est Jezel qui m'avait donné l'info hier en stream. Donc, skin Interetta. Et honnêtement, je suis pas prêt. J'ai pas le stock. Je sais pas vous, mais ça va être très, très, très compliqué. Donc, un skin Interetta, comme le skin d'Halloween, comme le skin du Nouvel An chinois. Vous avez un ranking tous les jours avec un skin disponible tous les jours, donc pour le top 10, et un ranking d'event de semaine où là vous avez un skin pour le top 15 et un skin pour le top 16 à 50. Celui-là, c'est le même que les autres jours au quotidien. Vous avez possibilité de gagner aussi un skin. Le skin de l'année dernière, dans la caisse à minuit. Vous avez aussi possibilité de récupérer avec, vous savez, les différents démons à tuer. Vous savez lesquels, à chaque fois, il faut attendre le spécial. Le spécial arrive à 4h UTC, 10h UTC, 16h UTC, 22h UTC. Donc, vous commencez à avoir l'habitude. Pour ceux, c'est votre premier skin event Interetta. Tout simplement, une petite minute avant cet horaire-là, vous arrivez, vous venez spammer. À la place d'avoir Alphonse, vous allez avoir le petit lapin infecté floppy, le lapin zombie. Et vous aurez une chance de le récupérer. À ce moment-là, vous pourrez le récupérer. Alors, où est-ce que ça tombe, je sais plus où est-ce qu'on le voit. Ranking rewards, non, je sais plus où est-ce qu'on peut le voir. Pourtant, c'est pas le premier jour, je me rappelle plus. Normalement, on n'avait pas un truc en dessous, on n'avait pas une deuxième. On est sur le jour 2, donc normalement, ils ont déjà gagné. Vous savez quoi, j'ai oublié. Je déplace. J'ai un trou. C'est dégueulasse. C'est pas beau, Vito. J'ai un trou. Ranking, ok. Event ranking, ok. Et où est-ce qu'on voit... normalement, on voit quand qui a topé, à quelle heure, etc. Où est-ce qu'on le voyait, ça? Faudrait que j'aille voir sur une autre vidéo. Je sais plus. Normalement, on voit. Vous me direz en commentaire si vous vous rappelez où est-ce que c'est. Mais normalement, on peut voir. Je crois qu'il y avait une case en plus ici, là, en dessous. Où on cliquait et là, on voyait qui avait topé les skins. Par contre, maintenant, on le voit plus. On voit plus les états, vous vous rappelez, où on pouvait voir de quel état avait topé le coffre, le skin, etc. Où est-ce qu'on voyait ça? Coalition 553-564. Où est-ce qu'on voyait? Bon, on va pas perdre de temps à chercher. Bref. Bon. Je vois pas où c'est. Toujours pareil. Comment utiliser? Vous avez le mode normal et le mode rage. Vous faites rage, rage. Vous switchez et là vous avez le normal en gratuit, entre 5 à 15 coups, c'est aléatoire. Une fois que c'est enlevé le mode rage, enfin le mode spécial, hop, vous retournez en mode rage, vous appuyez deux fois, vous revenez en mode normal et ainsi de suite. Et c'est là où vous allez optimiser votre taux de drop.
Comment faire? Comment? Je vais pas vous mentir. Jouer le premier jour, ne pas jouer le premier jour. Je sais pas, ça va être en fonction du soft. Il va y avoir les nouveaux héros de dispo sur certains états. Je sais. Ce qui est sûr, oui, je vais jouer un jour. Ça, oui, on va jouer un jour. Maintenant, est-ce que je vais jouer? C'est pas que je veux pas, hein. C'est la possibilité. J'ai pas les fonds. J'ai pas les fonds, j'ai pas les speed-up, j'ai pas. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir faire 31 millions de points. Enfin, on verra combien il y a de packs de dispo. Mais bref, ça va être très compliqué. Le reste de l'event, c'est assez simple. Vous avez l'habitude. Vous avez les petits packs à prendre ici qui sont très avantageux. Ouais, énormément de plasma pour rien du tout, hein. Pour 2000 diamants, même pas. 1500 diamants. Vous récupérez énormément des décorations, des speed-up, des plasmas, des boosts. C'est vraiment les packs à ne pas louper quand vous êtes un petit cash player. Vous avez vraiment de tout. Après, on a notre petite semaine banale, comme tout skin event, avec les 100 fragments. Où on a jour 3, utilisation de l'alliage carbone et titane pour l'aircraft. Nous avons aussi le jour 7. Jour 3 et jour 7. Alors faites attention, on est sur l'état 560. Ça peut être différent en fonction de vos états, ce sera peut-être pas ces jours-là précis. Donc faites bien attention. Par contre, ça va arriver, d'après ce que j'ai cru comprendre, aux alentours du 14 avril. Donc à voir si vous avez un soft, un SVS. Jouez intelligemment, essayez de synchroniser vos jours de soft avec vos jours de skin event, etc. Pour optimiser au maximum vos dépenses. Est-ce que vous allez récupérer en fonction de vos dépenses? Pareil, vous avez ça. C'est du quotidien sur l'inter-état. Donc, je pensais bien à faire tous les jours les infecter, les ressources externes, les ressources internes et vos sentiers. Sur une semaine, ça fait quand même pas mal d'items en plus. Tout simplement. Bon, voilà, on a fait le petit tour de cette petite discovery du skin event avec les packs basiques. Mais tout ça, on verra sur l'état 21 quand ça sera sur nos serveurs réels. Là, voilà, c'est leur état test. Donc, on verra quand est-ce que. Comment ça se passe sur nous. Et je vous referai une vidéo à ce moment-là. Bon, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!